Hop Hop aime jouer très souvent. Il danse et il saute, il se lâche avec ses petites ailes Hop Hop Hop. Et il est trop bon au cache-cache. Coucou, coucou. Hop Hop, le hibou. Hop Hop s'entraîne. Saute. Hop Hop saute dans la piscine à balles. Hop Hop. Bonjour. Tu cherches ton ami? Le voilà, il court. Pec Pec a lui aussi sauté dans la piscine à balles. Maintenant, les oiseaux jouent ensemble. Vague de balles. Et qu'est-ce que c'est? Pec Pec. Regarde Pec Pec, une surprise. Oups. La surprise s'est noyée. Prends-la, Hop Hop. Maintenant, au lieu d'un petit hibou qui nage dans la piscine à balles, il y a un tas de balles qui nagent. Pec Pec cherche aussi la surprise orange. Où est-elle passée? Les oiseaux? Ils l'ont trouvée. Les oiseaux, savez-vous ce que vous avez trouvé? Une balle? Non, ce n'est pas une balle. Pec Pec pense que c'est un ballon. Est-ce que ça en a l'air? Pas vraiment. Du raisin? Non, un raisin est petit et comestible. Bon appétit. Continue à réfléchir. Qu'est-ce que c'est? As-tu deviné, Hop Hop? Le hibou a allumé la tablette. Un œuf. C'est ça, Hop Hop, c'est un œuf. Et dans cet œuf, il y avait un bébé oiseau. Puis le bébé oiseau a éclos et a grandi. Les mamans oiseaux s'assoient sur les œufs et ensuite les œufs éclosent et les bébés oiseaux sortent. Où est passé ton œuf orange? Pec Pec est assis dessus. Tu n'as pas besoin de t'asseoir sur des œufs en jouet. Quelque chose fait du bruit à l'intérieur. Ouvrons-le. Un bateau! Oui, il y avait un bateau caché dans cet œuf en plastique. Mettons le bateau dans notre mer de balles. Tout, tout. Pec Pec souffle et le bateau avance. Qu'est-ce que c'est, les oiseaux? Hop Hop aime jouer très souvent. Il danse et il saute, il se lâche avec ses petites ailes Hop Hop Hop.
Hop Hop, le hibou. Voici la maison de Hop Hop, le hibou. Peck Peck est venu rendre visite à Hop Hop. Il fait signe de l'aile. Bonjour, va chercher Hop Hop. Il se cache. Oh, bataille de coussins. C'est un jeu dangereux. Faites attention, les oiseaux. Les coussins ont fait tomber la tour. Un gobelet. Un gobelet de la tour. Un autre gobelet. Oh. Pour faire une tour, il faut placer le côté ouvert sur le côté fermé. Comme ceci. Où sont les autres gobelets? Quel est ce bruit? Peck Peck le pivert fait de la soupe aux haricots. Bon appétit. Les oiseaux, remettez les haricots dans le pot. Il faut faire la tour. 3, 2, 1, c'est parti. Tous les gobelets sont maintenant sur le sol. Peck Peck met le gobelet vert sur la tour. Hop Hop, va chercher le gobelet jaune. Est-ce que c'est jaune? Non. Voilà le gobelet jaune. Vert, jaune, orange. Combien de niveaux à notre tour? 1, 2, 3, 4, 5. Bien joué, Hop Hop. Mais il devrait y en avoir 6. Où est le dernier gobelet? Il est là. Et voilà. Les oiseaux ont construit une tour de gobelets. Une tour. Oh. Nous en referons une bientôt. Hop Hop aime jouer très souvent. Il danse et il saute, il se lâche.
le hibou. Voici un anneau bleu. Qui se cache derrière ? Bonjour Hop Hop, on t'a trouvé. Bonjour. Voici le nouveau jouet de Hop Hop. Une pyramide escargot. Ce n'est pas un vrai. Tu ne peux pas jouer à cache-cache avec. Voici un vrai escargot. Oh, il a eu peur et s'est caché dans sa coquille. Hop Hop va jouer sans lui. Mets l'anneau sur l'escargot. Il nous faut deux autres anneaux. Un anneau vert roule sur le toboggan. Je me demande bien qui l'a fait rouler. Qui se cache par ici ? Bonjour Pec-Pec. Ah, un autre anneau. Pec-Pec va s'en servir pour descendre le toboggan. Les oiseaux mettent l'anneau sur l'escargot. Est-ce que ça va comme ça ? Non. Il devrait y avoir un autre anneau entre les deux. Enlevons l'anneau rose et cherchons. Pas d'anneau sur la balançoire. Et rien sur l'arbre. Pec-Pec, aide Hop-Hop. Cherche parmi les feuilles vertes. Qu'y a-t-il par ici ? Ah ! Une fourmi soulève un bâton. Regarde Hop-Hop. Une deuxième fourmi est venue l'aider. Penses-tu qu'elles vont pouvoir soulever le bâton? Oui, elles y sont arrivées. Les oiseaux aident les fourmis. Pourquoi prennent-elles tous ces bâtons? Qu'y a-t-il derrière les buissons? Une fourmilière. Les fourmis ramassent des bâtons et construisent une fourmilière avec. Les fourmis sont allées chercher d'autres bâtons. Merci, Hop Hop et Pec-Pec. Voici l'anneau vert de la pyramide. Hop Hop et Pec-Pec le portent ensemble. Mettons l'anneau sur l'escargot. Et maintenant, le rose. Il manque le haut. Le voilà, sur la balançoire. Saute. Waouh,
Le haut s'est envolé et a atterri sur l'escargot. Bien joué, les oiseaux! Vous avez construit un escargot en jouet. Hop Hop aime jouer très souvent. Il danse et il saute, il se lâche. Avec ses petites ailes Hop Hop Hop. Et il est trop bon au cache-cache. Coucou! Coucou! Hop Hop, le hibou. Il y a un nouveau jouet devant la maison de Hop Hop. C'est un camion Ben. Hop Hop, Peck Peck, voulez-vous jouer? Oh waouh, la benne se soulève. C'est un camion Ben. Oh! Où est-ce qu'il va? Il veut garer le camion. Pousse-le, Hop Hop. 3, 2, 1. Bien joué. À ton tour, Peck Peck. Peck, Peck, Peck Peck. Notre pivert est encore petit et ne sait compter qu'en pic. C'est un arrêt de bus. Wow! Peck Peck a sauté à l'arrière du camion Ben comme si c'était un bus. Le bus ramène Peck Peck à la maison. Oh, c'est difficile de le faire monter sur la rampe. Peck Peck, où vas-tu? Tu as trouvé une corde de remorquage avec un aimant. Quelle idée géniale! Le camion Ben a justement un emplacement pour un aimant. Utilise l'aimant pour fixer la corde. Tirer le camion avec un aimant est beaucoup plus facile. Hop Hop a réussi! Le camion est arrivé tout en haut. 3, 2, 1. Wow! Ça, c'est rapide. Maintenant, c'est au tour de Peck Peck de pousser le camion vers le bas. On approche. Tirons sur la corde et remontons le camion Ben. Et où vas-tu? Surprise! Peck Peck est en train de charger le camion Ben avec des pièces pour un autre jouet. Le camion Ben s'est arrêté. Il est temps de le décharger. C'est un godet. On peut le fixer à un tracteur en jouet. Et voilà un autre godet. Et voilà le tracteur. Fixons un godet à l'avant et l'autre à l'arrière. C'est fait! Oh. Petits oiseaux, combien de jouets y a-t-il? Tu peux utiliser le tracteur et le camion Ben pour ramasser les branches sèches au sol.
ça? Continuons à travailler. Aidons les fourmis à ramasser des branches pour leur fourmilière. Ce grand godet n'aura aucun problème pour faire le travail. Chargeons tout ça. Le tracteur ramasse les branches et les charge dans le camion ben et celui-ci transporte le chargement jusqu'à la fourmilière. C'est un chargement complet. Allons-y, les fourmis, regardez un peu toutes ces branches. Vous pouvez vous remettre à la construction. Papa aime jouer très souvent. Il danse et il saute, il se lâche. Avec ses petites ailes, hop, hop, hop. Et il est trop bon au cache-cache. Coco! Hop, le hibou. Hop, hop, le hibou est en train de ranger. Il ramasse ses jouets sur le sol. Bonjour. Où peux-tu garer les voitures? Ça ne rentre pas, là. Toc, toc, toc. Qui est là? Lève-toi, hop, hop. Peck Peck est venu te voir. Il a une surprise pour toi. Ce sont des clés. Mais le petit pivert ne sait pas quoi faire avec. La clé ne va pas dans cette porte. Elle ne va pas dans celle-ci non plus. Ne t'énerve pas, Peck Peck. Non, les clés ne fonctionnent pas sur les oiseaux. Allez chercher la bonne porte. Peck Peck, c'est une excellente idée. Tu peux chercher la porte à l'extérieur. Et attends une seconde. Les fourmis sont vraiment pressées. Rattrapez-les, petits oiseaux. Ce sont tes clés, fourmis? Non. Un escargot! Rattraper un escargot est beaucoup plus facile. Je pense qu'il a eu peur. Alors, il s'est caché dans sa maison. Je ne pense pas que cette maison a besoin de clés. Peck Peck, ne jette pas ton jouet. Tu vas sûrement trouver les bonnes portes. Regarde cette petite maison. Ces portes sont de trois couleurs différentes. Devrions-nous essayer de les ouvrir? Ça ne marche pas. Les clés sont différentes. Nous devons choisir la bonne. Hop, hop, un carré, jette un coup d'œil. Une étoile. Et qu'est-ce que c'est? Un triangle. Hourra! La porte rouge est ouverte. Et la verte. Peck Peck veut ouvrir une porte lui aussi. Et voilà! La maison est vide. C'est lourd, Peck Peck. Regarde! Hop Hop a apporté une brouette. C'est parti! Je me demande ce que nos petits oiseaux sont en train de faire. Ils veulent mettre l'escargot dans la maison. Mais l'escargot ne veut pas y vivre. Il a sa propre maison. Nous devrions peut-être inviter les fourmis.
gamelles n'ont pas envie de rentrer à l'intérieur. C'est une coccinelle. Elle s'est envolée. Ne vous énervez pas, petits oiseaux. Réfléchissons maintenant. Que pouvez-vous faire avec votre nouveau jouet? Bump! La voiture a roulé jusqu'à la maison. Ouvrons la porte verte. Et nous garerons la voiture verte à l'intérieur. C'est la voiture rouge. Pec-pec! Ouvre la porte rouge pour elle. La troisième voiture est bleu clair. Elle entre aussi dans la maison. C'est parfait! Bien joué, les petits oiseaux. Maintenant, les voitures ont leur propre garage. Papa aime jouer très souvent. Il danse et il saute, il se lâche. Avec ses petites ailes, hop, hop, hop. Et il est trop bon au cache-cache. Coco! Coco! Hop, hop, le hibou. Hop, hop, le hibou porte un casque. Il emmène un gros cube rouge. Ah, il va faire de la construction aujourd'hui. Bonjour. Salut, petit bâtisseur. Est-ce que tu construis une maison avec ces cubes? Ou peut-être un atelier de réparation? Pec-pec, le pivert, a apporté une voiture cassée. Hop, hop, le hibou va la réparer. Regarde, il manque une roue à la voiture. Qu'est-ce qu'il peut faire? Hop Hop a trouvé une roue dans son atelier de réparation. Mettons-la à sa place. Et voilà! Pec Pec a fixé une corde à la voiture. C'est parti! La voiture part en balade. Hein? Quel magnifique papillon! Et il y a une coccinelle. Elle vole dans tous les sens. Elle s'est posée sur la tête de Hop Hop. Petits oiseaux, regardez! La coccinelle est votre passagère. Elle s'est glissée dans l'un des trous. Coccinelle, il est temps pour toi de partir. Ouvre la porte, petit hibou. Au revoir. Je me demande où la coccinelle va aller. Regarde, elle a trouvé des pièces pour la voiture en jouet. Des formes de différentes couleurs à mettre dans les trous. On joue ensemble? Mettons les formes dans la voiture. L'étoile. Le cercle. Le carré. Nous avons réussi. Qu'est-ce que c'est? Les fourmis ont encore trouvé quelque chose. C'est notre triangle, les fourmis. Nous devrions aussi le mettre dans la voiture. Pec-pec, à toi de jouer. Non! Tu dois le mettre dans le trou en forme de triangle. Oui, c'est celui-là. Bien joué! Oh, waouh!
Notre hibou a une brouette. Qu'est-ce que tu fais, Hop Hop? Vas-tu construire quelque chose? Déchargement. Les petits oiseaux ont construit un toboggan pour la voiture. 3, 2, 1, laisse-la descendre. Elle est allée loin. Oh, et voilà les formes. Vous pouvez rejouer.